Bien-aimés frères et sœurs, shalom, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons que par la grâce de Dieu, vous vous portez bien, comme Dieu nous a accordé la même grâce et nous nous portons bien. C'est pourquoi nous sommes disposés à pouvoir vous exhorter avec quelques passages de l'Écriture. Ici, je voudrais vous montrer au nom de qui nous devons prier. Parce que la prière doit être faite au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça sa recommandation. Je lis ceci dans la parole, dans les Saintes Écritures. Je lis dans Jean 14, le 13e et le 14e verset. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Il dit ceci. Il dit, « Et tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. » Donc, quoi que nous demandions, nous devons demander cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre vient nous dire dans Actes chapitre 4, Pierre nous dit, Actes 4, le 11e et le 12e verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci, 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le salut, c'est en Jésus-Christ. C'est lui-même la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs. Si vous voulez bâtir votre maison, vous voulez prêcher, vous voulez avoir une église, vous voulez être un chrétien, il faut avoir la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'est la base de toute construction, de tout édifice. Et enfin, je vais encore lire dans 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, voilà. 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, au nom de qui devons-nous prier? C'est ça l'exhortation. On ne prie pas dans n'importe quel nom. Il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas un autre médiateur en dehors de Jésus. On ne peut pas prier Dieu, s'adresser aux saints pour qu'eux, à leur tour, intercèdent pour nous. Non. On ne peut pas faire comme le font les catholiques qui prient Marie pour que Marie intercède pour eux. Ou bien un tel saint, Saint-Pierre, Saint-Ceci, Saint... Non, il n'y a de médiateur entre l'homme et son Dieu que Jésus-Christ, homme. C'est lui qui avait vécu sur cette terre. C'est lui le seul médiateur que nous avons. Et c'est en son nom donc que nous devons prier. Et je voudrais toujours lire le prophète parce que c'est lui le messager de cet âge. Je lis ceci dans Exposé de cet âge de l'Église à la page 162. Frère Branham dit, il se pose la question. Il dit, je me demande si nous sommes suffisamment impressionnés par la présence de la parole au milieu de nous. Une pensée au passage. Comment prions-nous? C'est Frère Branham qui pose la question. Comment prions-nous? Nous prions au nom de Jésus, n'est-ce pas? Chaque prière est faite en son nom, sans quoi il n'y a point de réponse. Donc, si vous vous priez en un autre nom, en dehors du nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas de réponse à votre prière. Et pourtant, il nous est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14,
Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Maintenant, nous demandons, quelle est la volonté de Dieu? Il dit, il n'y a qu'un seul moyen de connaître sa volonté, c'est par la parole de Dieu. Dans Lamentations 3, le verset 37, il est dit, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Voilà. Si ce n'est pas dans la parole, vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous demandez quelque chose, si c'est contraire à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas obtenir la chose que vous demandez. Donc, nous ne pouvons pas demander quelque chose qui n'est pas dans la parole. Et nous ne pouvons pas adresser des requêtes ou demander quelque chose si ce n'est pas en son nom. Nous dirons, voilà, Jésus c'est le nom et la parole c'est ça la volonté de Dieu. Donc, comment connaître la volonté de Dieu? C'est tout ce qui est conforme à la parole, tout ce qui est dans la parole, tout ce qui nous est promis dans sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. Oh, je veux voir si c'est la volonté de Dieu. Dieu a déjà promis cela. Oh, je n'ai pas d'enfant, je demande des enfants. Mais Dieu veut que tu puisses avoir des enfants, c'est sa volonté. Alors, tu peux demander quelque chose, sinon, ça veut dire. Je veux prospérer, je veux que mes activités prospèrent, que mon travail, que mes études. Mais Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. C'est sa volonté, c'est dans sa parole. Si c'est dans la parole, c'est comme cela que c'est la parole qui nous montre ce qu'est la volonté de Dieu. Alors, Frère Branham nous dit encore que chaque fois que nous prions au nom de Jésus-Christ, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui prie. Et chaque prière que Jésus adresse au Père, Et toujours, toute cette prière-là est exaucée. Chaque prière adressée par Jésus à Dieu, c'est toujours exaucé. Frère Branham nous dit ceci dans le message, le fondement fondamental pour la foi, qu'il avait prêché le 13 janvier 1955. Frère Branham nous dit, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Vous savez que si nous allons devant Dieu, au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. Chaque fois que vous dites, je prie au nom, Seigneur, accorde-moi ceci au nom de Jésus-Christ. C'est comme si c'est Jésus lui-même qui a prié. Ce n'est plus moi qui prie. Si je viens en son nom, et qu'il reconnaisse son nom. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et alors, si je vais au Père au nom de Jésus, ce n'est plus moi qui prie. C'est Jésus qui prie. C'est son esprit priant au travers de moi. Et alors, je dois recevoir ce que je demande. Parce qu'il l'a dit. Et c'est la parole même de Dieu. Voyez ? Cela ne peut que produire ce qui est dit. Et alors, nous croyons que nous sommes trois points. Nous avons cette confiance en Dieu, que nous obtenons ce que nous demandons, car il est Dieu et il ne peut pas retirer sa parole. Il doit s'en tenir à sa parole. Donc, nous devons adresser nos prières à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Une autre déclaration, je termine par là. Frère Branham dit ceci, que si vous allez demander, vous adressez votre prière à Dieu, mais au nom de Branham, cette prière ne sera pas exaucée. Parce que dans un autre nom. Suivez cette déclaration-là, c'est dans le message « Vous devez naître de nouveau » qu'il avait prêché le 31 décembre 1961, au paragraphe 20. Frère Branham dit, « Nous venons maintenant dans la présence de Dieu. » Du Dieu vivant, solennellement et avec crainte de sa personne. Nous venons au nom du Seigneur Jésus, sachant que nous ne pourrions pas venir en disant, maintenant Père, voici William Branham ou Orman Neville ou n'importe qui sans être renvoyé aussitôt. Quand vous venez dans un autre nom, vous serez renvoyé. Il dit, mais
nous avons de l'assurance parce qu'il a dit, quoi que ce soit que vous demanderez à mon Père, en mon nom, cela vous sera accordé. Ainsi, je ne crois pas que je pourrais obtenir quoi que ce soit de lui à me servant de mon nom. Mais je sais que lorsque je me sers du nom de son Fils, j'obtiens alors ma requête, car c'est en lui que je crois. C'est en lui que nous vivons et nous existons. Et nous sommes reconnaissants ce matin, ô Dieu, pour tout ce qu'il représente pour nous. C'est cela, toute notre vie et toute notre existence. Donc la prière est faite au nom du Seigneur Jésus-Christ, si elle doit être exaucée. Bien aimés frères et sœurs, je m'avais suivi. Vous savez, maintenant vous êtes fixés. S'il faut prier, priez au nom de Jésus-Christ et votre prière sera exaucée. Je vais prier, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant. Tu as permis que nous puissions donner à tes enfants cette exhortation. Nous te prions, Père de gloire, de te révéler à tes enfants, qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés, et c'est en ton nom que nos prières sont exaucées. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom, mes frères. Que Dieu vous bénisse.